Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit journal du Sancy. Aujourd'hui, on va faire le tour des lacs et pour ça, on s'équipe tous en maillot de bain. On va se baigner. Ah bah non, on n'a pas le droit. Eh bah tant pis. C'est une quinzaine de lacs naturels qui sont situés sur la zone du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, dont une petite dizaine se trouve sur le massif du Sancy. Presque tous ont un point commun, leur origine volcanique. Le lac du Guéry est le plus haut du massif central. Il se trouve à 1246 mètres d'altitude. Par contre, il est peu profond, 16 mètres seulement, et il a été formé de la même façon que le lac Chambon. Là, c'est un lac de barrage naturel. C'est une coulée de lave qui a entravé l'écoulement d'un cours d'eau. Et donc, ça a formé une grande étendue d'eau qui a une forme beaucoup plus irrégulière. Voilà, donc c'est le cas du lac Chambon. Les lacs du Pavin et Chauvet ont une origine différente. Tous deux sont des lacs de cratères, ce qui est facilement reconnaissable à leur forme circulaire. Le Pavin est le lac le plus profond de France, 92 mètres. Au printemps dernier, il avait accueilli des dizaines de chercheurs du monde entier pour découvrir toutes ses richesses. Mais avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, les recherches, c'est toute l'année. On a un programme d'inventaire des plantes aquatiques qui se poursuit depuis 2008 et qui va se poursuivre encore cette année, qui nous permet de mettre en évidence parfois l'existence de plantes très rares comme les isoëttes et les littorelles, qui sont caractéristiques d'une bonne qualité de l'eau. Et pour protéger cet écosystème fragile, le parc mène également des travaux de sensibilisation et de restauration des berges. L'activité économique de l'homme, comme l'agriculture et la fréquentation touristique, dégrade ces sites. Un juste équilibre est donc ici à trouver. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen. Notre tour des lacs est maintenant terminé, mais on va rester à proximité, direction le foyer de ski de fond du Guéry, où on peut faire du ski de fond, mais pas seulement. Les activités nordiques sous toutes ses formes, voilà ce que propose pendant tout l'hiver le foyer de ski de fond du Guéry. Ici, c'est une véritable porte de départ de découverte de la nature, que ce soit pour une simple randonnée, en ski ou en raquette. Mais plus ponctuellement, le foyer propose également d'autres animations. Ça se passe surtout pendant le week-end et les vacances scolaires. Alors, à vos calendriers. Sur place, il y a également énormément d'animations qui sont mises en place autour de la raquette, autour du poney luge, également un camp d'hiver qu'on a mis en place depuis le début de la saison avec tipi, tente de trappeurs, tente de prospecteurs, tente inouïe. Ce journal du Sancy est maintenant terminé, c'était notre dernier jour ensemble. Et oui, je sais, déjà. Et en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de venir ici. Et moi, eh bien, je retourne à Clermont-Ferrand. Hakuna Matata. C'est parti. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quels sont fantastiques. Ces mots signifient que tu vivras ta vie. La neige, elle est trop molle pour moi. Sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata.